Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Cajoie.fr. Aujourd'hui, lundi 21 juillet 2008, vos actualités de ce soir. Événements. Hier soir était organisée la quatrième édition de l'Estival, qui est l'événement musical de la communauté des communes des Vallons d'Anisy. C'est à Pinon, au parc urbain de Vauxaillon, que la scène de ce concert s'est montée cette année, réunissant un groupe provenant du Paraguay, un groupe français faisant de la musique celtique et un groupe folklorique faisant de la musique martiniquaise. Il a débuté à 20h30 et a attiré plus de 200 personnes qui étaient ravies de ce spectacle. Le 23 juin dernier, les gendarmes ont démantelé un gros trafic de cannabis qui marchait depuis 3 ans de Bruyères et Montbéreau à Pinon. 5 jeunes âgés de 19 ans et 24 ans ont comparé devant le tribunal correctionnel de Laon jeudi. Ils ont eu une peine de prison avec sursis. Ce week-end était organisée la fête à Chavignon, réunissant divers stands et diverses attractions et permettant aux jeunes ainsi qu'aux adultes de s'amuser et de passer un bon moment en famille. Lors d'une intervention à Vauxaillon, les pompiers et les gendarmes ont reçu des insultes et des menaces de la part d'un homme de 37 ans. Il s'est fait appréhender par les gendarmes. Sport. Claude Makélélé est officiellement transféré de Chelsea au PSG après plusieurs semaines de négociations. Le club londonien a accepté de libérer son milieu de terrain de sa dernière année de contrat et donc le PSG ne verse aucune indemnité de transfert. L'association Caja a organisé hier un tournoi de foot au terrain multisport de Pinon. Celui-ci a attiré de nombreux jeunes et leur a fait passer une très bonne journée. L'équipe des Fifous, composée de Thierry Ruzat, Jérôme Dupré, Jean-Baptiste Driss et Thomas Ruzat, ont remporté celui-ci. Vous pouvez retrouver tous les JT et reportages sur le site caja.fr dans la rubrique vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous laisse maintenant avec Brian pour découvrir la météo de demain. Bonsoir, chers internautes. Voici les prévisions pour mardi 22 juillet 2008. D'après Météo France, le matin sera ensoleillé sur tout le département. Il fera 12h20 à Saint-Quentin et à Château-Thierry et 13 degrés à Nizy-Château. Pour l'après-midi, le temps sera semblable au matin, mais il y aura quand même des nuages sur tout le département. Il fera 18 degrés à Vervins, 20 degrés à Saint-Quentin et 21 degrés à Anisier-Château. Demain, nous fêterons la Saint-Marie-Madeleine. Bonne soirée sur cajun.fr.